Il joue d'abord sur scène à Ajaccio et à Marseille. En 1826, il est engagé au théâtre de l'Odéon à Paris. En 1828, engagé à la Comédie-Française, il joue dans Mérope, tragédie de Voltaire, et L'Étourdi, comédie de Molière. Il quitte Paris après les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. Les Trois Glorieuses qui mirent fin au règne de Charles X. Pour rejoindre Bruxelles, où il est artiste au Théâtre de la Monnaie. Il s'inscrit parmi les membres de la garde urbaine qui voulait maintenir l'ordre lors des troubles de la Révolution belge. Il meurt le 19 octobre 1830 en défendant Lierre dans le corps d'armée de Charles Nielon. Entre Lierre et Malines, la tête emportée par un boulet hollandais.